1981, François Mitterrand est élu président de la République. Les Français connaissent mal cet homme à la personnalité aussi complexe que son parcours politique. Dans les services de renseignement, les fonctionnaires méfiants ignorent tout de ses projets. Ils seront très vite fixés. Alors que la guerre froide entre dans une phase de glaciation, quatre ministres communistes sont nommés au gouvernement. Au sein des services, certains veulent croire que le créateur du Parti socialiste va livrer la France aux rouges. Cet homme, porteur des espoirs de la gauche, a nourri toute sa vie de fortes préventions à l'égard des services d'espionnage et de contre-espionnage. Président de la République, il va devoir les orienter et les contrôler. Il s'en méfie, craint leur coup fourré et doute de leur loyauté. Ce monde-là n'est pas le sien. Si la méfiance est réciproque, c'est aussi que le nouvel hôte de l'Élysée a connu dès la guerre une vie politique agitée par des épisodes obscurs. Après une jeunesse très adroite, il a été mobilisé et fait prisonnier en 1940. Il s'est évadé, la suite est compliquée. Dans un premier temps, il rejoint Vichy. Erreur de jeunesse? Peut-être. Mais le maréchal Pétain lui attribue en 1943 la plus haute décoration réservée à l'élite de son régime de collaboration avec les Allemands, la Francisque. Ensuite, le futur président entre dans la résistance. Après-guerre, il entame une carrière gouvernementale. En 1954, alors qu'approche la défaite en Indochine, son nom est mêlé à l'affaire des fuites. Des secrets militaires ont été divulgués à la presse et aux communistes. À 38 ans, François Mitterrand est ministre de l'Intérieur. Au sein des services de sécurité, des comploteurs le désignent au président du Conseil comme l'auteur des fuites. Pierre Mendès-France ordonne une enquête sur son ministre, sans le lui dire. Celui-ci en sortira blanchi et durablement meurtri. Il poursuit sa carrière, toujours à gauche, mais dans le camp des durs. Garde des Sceaux durant la guerre d'Algérie, il cautionne la torture et envoie des dizaines d'indépendantistes algériens à l'échafaud. Un quart de siècle plus tard, c'est pourtant le même homme qui abolira la peine de mort. Il est en principe un farouche défenseur de l'état de droit. Pourtant, il ne va rien dire quand il sera bafoué par les services secrets. Le 22 octobre 1956, le SDEC détourne l'avion des dirigeants du FLN, dont Ahmed Ben Bella, sans instruction du président du Conseil, Guy Mollet. Cette violation des principes de fonctionnement des services secrets, soumis aux ordres du politique, suscite la colère des hommes les plus à gauche au sein du gouvernement. Mais contrairement à Alain Savary qui démissionne, François Mitterrand ne bouge pas. Il sera accusé de trahir les valeurs démocratiques qu'il prétendait défendre. Trois ans plus tard, en 1959, devenu sénateur, il est au creux de la vague. Il voudrait prendre la tête de l'opposition à De Gaulle. Le besoin de redorer son blason le pousse à la faute. Un ancien député d'extrême droite, Robert Pesquet, le convainc d'accepter l'organisation d'un faux attentat. Quand la mitraillette crépite, Mitterrand disparaît dans les jardins de l'Observatoire. Le lendemain, le sénateur de la Nièvre est devenu le héros de la gauche, jusqu'à ce que Pesquet dévoile le poteau rose. L'ancien garde des Sceaux est traîné dans la boue et perd son immunité parlementaire. Il touche le fond. Autre signe de méfiance, en 1972, le programme commun de la gauche, signé par le premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand, prévoit la dissolution du SDEC, les services de renseignements extérieurs. L'idée a été abandonnée dès 1977. Mais quand François Mitterrand devient président de la République, personne dans les services n'a oublié cet épisode. Ce ténor de la 4e République a suscité des haines durables. La méfiance des années de guerre, les attaques après la libération, l'ont conduit à cultiver le mystère sur sa vie privée et le secret de ses actions politiques. Pour beaucoup, y compris dans les services, il passe pour énigmatique et calculateur. Après 23 années d'opposition, rien ne laisse prévoir une relation sereine entre les services et celui que les Français ont choisi.
S'il n'est plus question de dissoudre les services, François Mitterrand doit néanmoins les tenir. Mais à qui confier cette tâche alors que la gauche n'y a préparé personne? Dans son entourage proche, un homme se verrait bien dans ce rôle. C'est un ancien vichyste devenu résistant, maniaque du renseignement, homme de réseau et d'influence. On le surnomme le cardinal, ou Belphégor. Son nom, François de Grossouvre. Il aura beau disposer de bureaux à l'Élysée, il sera rapidement cantonné à la protection de la vie privée du président, c'est-à-dire à la préservation du secret sur l'existence de sa seconde famille. À la tête des services extérieurs, le SDEC, le président nomme un polytechnicien, Pierre Marion. Ce civil, ancien d'Air France, obtient du gouvernement de rebaptiser le SDEC DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Après avoir changé la tête des services opérant à l'étranger, le président charge son ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, de s'assurer du loyalisme de la Direction de la Surveillance du Territoire, la DST, qui détient depuis longtemps une fiche sur le nouveau président. Il m'a demandé, vous avez une fiche sur le président? Je lui ai dit, mais plusieurs, monsieur le ministre. Il s'est montré très intéressé, mais manifestement un peu ironique sur ce que serait la fin des choses. Et j'ai pu lui porter tout de suite l'ensemble des fiches où le président était cité. Gaston Defferre peut rassurer François Mitterrand, la DST ne conteste pas l'autorité du nouveau pouvoir. Pour tous les services, le problème le plus brûlant de ce début de septennat concerne la sécurité personnelle du président. La menace n'est pas une vue de l'esprit. Le 30 mars 1981, le président américain Ronald Reagan a pris une balle dans le poumon. Le pape Jean-Paul II a été grièvement blessé sur la place Saint-Pierre le 13 mai 1981, trois jours après l'élection de François Mitterrand. Et le président égyptien Anwar el-Sadat a été assassiné le 6 octobre 1981 par des militaires. Le nouveau président français n'accorde pas une confiance absolue aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur placés auprès de lui. Il les renvoie pour les remplacer par des militaires de la gendarmerie. Mitterrand avait l'idée qu'avoir des gendarmes, c'était plus sûr que d'avoir des types de la préfecture de police. C'était son idée. Parce qu'il avait trempé dans toutes les histoires, et notamment l'affaire des fuites. Donc, il prenait des militaires. Il disait, les militaires, ils obéissent, ils ne trahissent pas. Et c'est comme ça que se constituait le service de sécurité de l'Élysée. Pour assurer sa protection, François Mitterrand place le super gendarme Christian Proutot, le patron du GIGN, à la tête du nouveau GSPR, groupe de sécurité de la présidence de la République, dont il a décidé la création. Entre les deux hommes, une étrange fascination des contraires s'est établie. Si Mitterrand est le parfait cérébral, Proutot est du genre polymusclé. Au point que ses adversaires disent de lui qu'il n'a qu'une qualité, il tire vite. À peine nommé, le gendarme est convoqué à l'Élysée pour s'entendre définir le périmètre de sa fonction. François Mitterrand, lorsque je lui avais demandé de définir son environnement, les gens que je devais protéger ou pas, je lui demande à un moment, et madame, puisque c'est comme ça que traditionnellement on appelle l'épouse du président de la République. Et il me dit, elle, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, c'est pas la peine. Alors moi j'étais quand même plus ou moins estomaqué. Il me dit d'un air négligent, en tendant sa main, comme il faisait par-dessus son bureau en regardant son parapheur, pour le reste, voyez avec Rousselet. Je vois Rousselet. Dandy très élégant, grande classe et tout, qui d'habitude ne bougeait pas de son bureau. Au moment où je lui raconte, alors vous avez vu le président, bien sûr, oui. Et puis je finis par la chute sibylline. Je lui dis, mais à un moment, au moment de partir, il me dit, pour le reste, voyez avec Rousselet, j'ai pas d'idée, il s'agit de quoi? Et alors là, je vois Rousselet, mais alors gêné, qui se lève, qui ajuste son trois pièces, qui me prend gentiment par l'épaule, me dit, oui, allez voir Grossouvre, il va vous expliquer.
Je me dis, mais comment ça m'énerve là tous, parce que je sais toujours pas de quoi il s'agit. Et quand je vois De Grosso, c'est là que De Grosso me dit, oui, oui, c'est délicat à expliquer. Il me balance tout, il me dit, mais voilà, il y a une seconde famille, le président, une petite fille, elle s'appelle Mazarine, voilà, je suis son parrain. Donc j'ai construit autour de sa fille une sécurité. François Mitterrand a recadré tous les services. Et au super-gendarme, il a confié le plus précieux des secrets, celui de sa fille cachée, Mazarine, la petite demoiselle. Dans ses premiers mois au pouvoir, François Mitterrand vit l'état de grâce avec les Français. Avec les Américains, c'est autre chose. En ces années de guerre froide, les États-Unis se sont cabrés. Ils s'interrogent sur la fidélité de la France socialo-communiste à l'atlantisme, donc à la lutte contre les soviétiques. Le numéro 2 américain à l'Elysée, George Bush, vice-président, a déjeuné aujourd'hui avec François Mitterrand. Inutile de vous dire que la présence de ministres communistes au gouvernement français a été l'un des premiers sujets de discussion avec François Mitterrand. Our European allies are sovereign nations and the decision on how they are governed rests with their citizens and with their elected representatives. However, the position of the United States on the subject of communist participation in the governments of our allies is well known. En bon politique, François Mitterrand doit gérer cette crise avec les États-Unis. Le président socialiste ne le sait pas encore, mais son service de contre-espionnage, la DST, va venir à sa rescousse. Au printemps 1981, Vladimir Vetrov, un agent du KGB, prend contact avec la DST. Il veut trahir l'URSS en livrant aux Français les fruits de son pillage technologique dans tous les pays capitalistes. Son nom de code, Farewell. Des milliers de documents d'une valeur inestimable sont offerts au contre-espionnage français. C'est la plus énorme affaire que la DST ait traitée sur le monde communiste au XXe siècle. Il faut maintenant prévenir le nouveau président. Ça se passe le 14 juillet, à l'issue de la Garden Party. J'ai expliqué au président ce qu'était cette affaire, comment elle était née. Son visage, malgré sa capacité de contenir ses émotions, était tout à fait significatif de l'intérêt extraordinaire qu'il attachait à mes propos. Le 19 juillet, cinq jours après avoir pris connaissance du dossier, François Mitterrand se rend au sommet du G7 à Ottawa. Le président français informe son homologue américain, Ronald Reagan. La France dispose d'une source exceptionnelle à l'intérieur du système soviétique. D'après les informations qui m'ont été données par la CIA, ils ne se sont pas du tout compris. Du tout compris. François Mitterrand a dit « farewell », ce qui veut dire « portez-vous bien ». Et Ronald Reagan a pris ça au premier degré. En tout cas, il n'a pas du tout compris. Quelques jours plus tard, le patron de la DST, Marcel Chalet, part à Washington rencontrer tous les dirigeants de l'appareil de sécurité américain, dont le vice-président George Bush, ancien directeur de la CIA. Cette révélation, ils la reçoivent avec une extrême surprise. George Bush a dit que c'était probablement une des percées les plus significatives depuis la Seconde Guerre mondiale dans le système soviétique. En 1983, la DST n'a plus de nouvelles de Vetrov depuis plus de 10 mois. Peu importe, l'agence de contre-espionnage a accumulé assez de preuves. Le préfet Yves Bonnet, son nouveau directeur, sollicite un entretien avec le président de la République pour prendre ses instructions. Et à la fin de mon exposé, François Mitterrand me demande « Et alors, que me proposez-vous » Je lui ai dit « Je vous propose l'expulsion » d'une quarantaine d'officiers de renseignement de l'ambassade d'Union soviétique à Paris. François Mitterrand me répond aussitôt « Allez-y ». Il me répond si vite que j'ai un petit trouble. Je me dis « Est-ce qu'il a bien compris ? Est-ce que je me suis bien fait entendre ?» Et donc je réitère ma question, quitte à paraître un petit peu insolent, mais supposer que on se mette à expulser une quarantaine de diplomates soviétiques alors que le président n'avait pas très bien compris, ça ferait, comme on dit aujourd'hui, ça ferait désordre. Donc je renouvelle ma question et il me répète les mêmes mots, allez-y. Ok,
quel choc et quelle rapidité d'exécution. Un coup de balai diplomatique comme celui-là, on n'avait jamais vu ça. Je vous laisse découvrir les images que vous voyez en direct. Diplomates, journalistes et autres, all described as agents of the secret services of the Soviet Union. 13h37, les véhicules démarrent, direction Roissy. C'est la première fois que la France procède à une expulsion aussi massive de diplomates soviétiques. Enfin, je mets le mot diplomate entre guillemets. 47, c'est quand même si c'était une grosse ambassade, c'était très spectaculaire. On a presque vidé l'ambassade. Paris punit les Russes à la face du monde. Mais les raisons demeurent un secret d'État. François Mitterrand envoie ses émissaires dans une quinzaine de pays. 215 espions russes sont identifiés à travers le monde et parfois expulsés. Félicitant le président français, Ronald Reagan lui lance « C'est l'une des plus grandes affaires d'espionnage du XXe siècle ». Grâce à cette opération exceptionnelle, la DST a permis à François Mitterrand de démontrer aux Américains que la France demeure d'abord une alliée fidèle. Naguère objet de suspicion, le contre-espionnage français est devenu pour François Mitterrand un sujet de satisfaction. Pour Vladimir Vetrov, la source Farewell, la fin de partie est tragique. Après enquête, les Russes le repèrent. Il est exécuté. Mais à cette époque, personne ne sait pourquoi le chef de l'État a décidé d'expulser tant de diplomates russes. Deux ans plus tard, en 1985, Yves Bonnet, le directeur de la DST, constate que les espions russes ont repris du service. Il veut leur donner une leçon. En contradiction avec les ordres reçus, il fait le choix inédit d'ouvrir sa porte au journal Le Monde et à TF1 pour leur présenter des preuves. Là, depuis le printemps 83, un document ultra confidentiel sommeille dans une armoire forte. C'est la pièce maîtresse du dossier d'expulsion. Les quatre premières pages passent en revue la documentation et les échantillons technologiques pillés par les agents soviétiques. Bonnet a même organisé une visite, pratiquement, de service de la DST pour... Alors, lui disait que c'était pour l'intérêt de la maison, pour l'image de la DST, donc du ministère de l'Intérieur, donc de vous, monsieur le ministre. Moi, je pense que c'était une énorme connerie de sa part. L'initiative d'Yves Bonnet est contestable, car à cette époque, François Mitterrand place de grands espoirs dans les capacités réformatrices du nouveau maître du Kremlin, Mikhail Gorbatchev. La DST a pris le risque de jeter à terre la relation franco-soviétique. Lorsque François Mitterrand lit Le Monde avec l'article de Plenel, c'est un déchaînement de fureur. Ah bah ça l'a stupéfait. Il était sidéré, il a commencé à m'engueuler. Je dis, bah oui, d'accord, engueulez-moi, mais enfin, c'est pas moi qui ai nommé Bonnet. Et après ça, quand il continuait à m'engueuler, je lui dis, mais attendez, moi, je suis dans ce cas-là pour Bonnet, on le vire demain matin. On le remplace au Conseil des ministres suivant. Ah non, parce que, vous comprenez, c'est quand même quelqu'un que, etc. Alors tout le monde s'émeut, le secrétaire général de l'Élysée, Bianco, m'appelle, extrêmement... agressif, hein, pour ne pas dire, et menaçant, pour ne pas dire davantage. Et évidemment, à ce moment-là, mon trône, si trône il y a, fait beaucoup plus que vaciller. La DST a-t-elle comploté pour freiner le retour des bonnes relations entre Paris et Moscou? François Mitterrand en est convaincu. Il ne pardonne pas. Yves Bonnet est remercié. De nouveau, le fossé s'est creusé entre le chef de l'État et les services. L'événement de 1985 a complètement détruit ce qui avait été construit avant. C'est-à-dire qu'on avait rétabli en quelque sorte le courant entre le pouvoir politique et la DST. Tout d'un coup, tout s'écroulait. Grâce à la DST, François Mitterrand a joué du gros bâton contre les espions de Moscou. Et finement, en homme d'État aguerri, il est parvenu à ne pas rompre les relations de la France avec la Russie. Il a aussi compris que les opérations secrètes lui permettent d'agir en contradiction avec la diplomatie officielle. Un tel homme ne pouvait qu'apprécier ses modes d'action furtifs. Sous François Mitterrand, les services sont sur tous les fronts.
De leur mission, ils ne disent rien. Le président les oriente, ils obéissent. En Afghanistan, ils guerroient contre les soviétiques aux côtés de Massoud, tout en apportant désormais leur appui à des régimes de gauche, de même qu'à des mouvements anticolonialistes, notamment africains. En Amérique du Sud, ils aident des victimes des dictatures à fuir leur pays. En 1983, agissant sur ordre secret de François Mitterrand, la DGSE organise le retour vers la France du boucher de Lyon, l'ex-nazi Klaus Barbie, expulsé de Bolivie. Il sera condamné pour crime contre l'humanité en 1987. La guerre de l'ombre est pourtant parsemée de défaites. Les services secrets ne parviennent pas à enrayer une déferlante terroriste sur le territoire national. Le 9 août 1982, le 12e attentat en France depuis l'élection de François Mitterrand, se produit rue des Rosiers, dans un quartier juif de Paris. Après Copernic et Marbeuf, la rue des Rosiers. L'attentat est un des plus meurtriers de ces dernières années sur le territoire français. 6 morts et 22 blessés. Le choc dans l'opinion est terrible. Une semaine plus tard, le 17 août, François Mitterrand réunit l'ensemble des responsables des services à l'Élysée. François Mitterrand, quand il réunit l'ensemble des responsables de services de police et de renseignement, la conclusion qu'il en tire, c'est qu'il faut tous les changer. Voilà. J'ai rien appris, il faut tous les changer. C'est la valse des patrons. Les directeurs de la DST et de la DGSE sont remerciés. Néanmoins, ce classique jeu de chaises musicales semble insuffisant au chef de l'État. Face à l'incapacité des services et de la police à enrayer la vague terroriste, François Mitterrand va commettre une grave erreur. Il confie au gendarme Christian Proutot, qui n'assure que depuis 2 mois sa protection, la charge de coordonner l'antiterrorisme français. Il crée de toutes pièces un outil inadapté qu'on appellera bientôt la cellule antiterroriste de l'Élysée. Au sein des services, ce fait du prince ne passe pas. C'est la consternation face à une décision illustrant une défiance absolue du président vis-à-vis des structures de l'État. La constitution de la cellule dite antiterroriste de l'Élysée nous a fait un peu sourire, dans la mesure où elle était constituée par des gens qui s'étaient plus illustrés dans le domaine du muscle que dans le domaine du renseignement. C'est pas un métier de gendarme. C'était des gens bien sous tout rapport, mais ils n'étaient pas faits pour ça. Qu'ils aillent eux-mêmes agir sur le terrain, c'est quelque chose qui nous a paru un peu bizarre, un peu aberrant et un peu porteur de menaces. Le 29 août 1982, 2 semaines après la création de la cellule de l'Élysée, la présidence de la République publie un communiqué de victoire. Des terroristes internationaux ont été arrêtés par le GIGN. Oui. Alors, nous allons justement parler du terrorisme avec, je vous le disais, l'arrestation hier à 18h30 à Vincennes de 2 hommes par les gendarmes du GIGN. C'est à 18h30 hier soir que les hommes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ont donc arrêté 2 terroristes d'origine étrangère. En effet, c'est dans cet appartement situé au 3e étage que les 2 hommes ont été interpellés. Dans l'appartement, on a retrouvé des documents, des armes ainsi que 500 grammes d'explosifs. C'est depuis le blackout total. Les 3 suspects sont arrêtés et incarcérés. La cellule de l'Élysée vit ses premières heures de gloire. Le président a toutes les raisons d'être satisfait. Il va vite déchanter. Grenouillage et règlement de compte, c'est le commentaire officieux des gendarmes dans le nouveau rebondissement de l'affaire des terroristes irlandais de Vincennes. Nous venons d'apprendre que des poursuites judiciaires sont engagées contre 2 officiers de gendarmerie, 2 officiers du GIGN. Coup de théâtre, un gendarme qui a participé à l'opération reconnaît qu'il y aurait eu des irrégularités. On lui aurait dicté ce qu'il fallait dire au juge d'instruction. Il confirme qu'il n'a pas vu d'explosif. En fait de succès, il s'agit d'un montage. Les super gendarmes avaient apporté eux-mêmes des explosifs dans l'appartement des suspects. Les Irlandais de Vincennes sont finalement libérés au bout de 9 mois de détention. L'affaire devient rapidement celle des gendarmes de l'Élysée. C'était pas difficile de prévoir
des incidents. On est en présence de demi-bras cassés, de branquignoles, de gens peu sérieux. Alors, ça a été créé de briques et de broc, cette affaire, et ça a eu le succès que ça devait avoir, c'est-à-dire, en fait, ça a été couronné d'échecs, voire de ridicules. Exclusivement dévouée à sa personne, la cellule est progressivement devenue un service parallèle. Il me demandait des choses qui, normalement, ne me revenaient pas, qui auraient dû revenir au service de renseignement. Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce qu'il a déjà été ministre de l'Intérieur? Est-ce que c'est un problème de culture de doubler les moyens et la recherche de renseignement? Ou est-ce que, effectivement, du fait de la période où il a été dans l'opposition, il n'a pas du tout confiance dans les services de renseignement, et que d'une certaine manière, je suis, moi, le moyen qu'il a de vérifier si on lui a raconté des histoires ou pas. Et je suis à même d'affirmer que c'est la dernière réflexion qui est la bonne, c'est-à-dire qu'il n'avait pas confiance dans les services. La cellule sort des procédures administratives établies. Forte de l'autorité de François Mitterrand, elle procède à des écoutes téléphoniques. Les gendarmes de l'Élysée s'affranchissent des formalités et conservent l'intégralité des transcriptions en violation de toutes les règles. Des avocats, des journalistes, des personnalités diverses sont écoutés à leur insu. À l'époque où les écoutes démarrent en 1983, le terrorisme frappe les Français plus cruellement que jamais. À Beyrouth, un attentat tue 58 parachutistes. Mais la cellule a des affaires plus importantes à traiter. L'écrivain provocateur Jean Edernalier, qui menace de révéler l'existence de Mazarine dans son journal, est mis sur écoute. Les instructions de François Mitterrand sur Jean Edernalier, c'était « je veux pas qu'on cède au chantage d'Edernalier, qui était un peu fou », et deuxièmement, la publication de son canard. Il est arrivé que Gilles Ménage me demande des choses un peu extraordinaires, quand il a souhaité que la DSC fasse le tour des maisons d'édition pour empêcher la parution d'un livre d'Edernalier. Bon, ce n'était pas vraiment l'émission de la DSC, je ne vois pas très bien ce que la sécurité et les ingérences étrangères avaient à voir là-dedans. Plusieurs fois, on a fait ce qu'il fallait pour que le manuscrit n'arrive pas là où il devait aller. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même un détournement, pas un détournement, mais une déviation de service de l'État pour des fins personnelles, comme la petite Mazarine. Mais en même temps, quand je disais à Mitterrand, il disait, mais vous avez une fille. Je dis, oui, j'ai une fille. Et alors, vous ne protégeriez pas votre fille si elle est menacée? Je veux dire, là, on est cloué, quoi. Outre Jean Edernalier, 89 personnes ont été écoutées, et la liste est plus longue si l'on compte leurs correspondants. Personne à l'époque n'a contesté ces écoutes irrégulières, endossées par le ministre de la Défense, Charles Hirnu, et même le Premier ministre, Pierre Mauroy. Aucune de mes écoutes, je les ai faites sans que le cabinet du Premier ministre et le ministre de la Défense en soient informés. C'était pas, des fils qu'on branchait dans la cave de l'Élysée. Ce qui a amené le buzz ou le bruit énorme qui a été fait autour de mon nom, c'est qu'une partie de ces informations revenait bien évidemment à la présidence de la République et non pas à un service spécifique. Le scandale éclate en 1993. Au procès des écoutes, qui se tient à partir de novembre 2004, plus de 20 ans après les faits, Gilles Ménage et Christian Proutot sont condamnés. Ils ne sont certes pas des lampistes, mais des éléments d'une chaîne au fonctionnement logique. À quelque niveau qu'ils se trouvent, pour les hommes dont il avait fait la carrière, les désirs de Mitterrand étaient des ordres qu'on ne discutait pas. Pendant mon procès, comme Pierre Mauroy avait signé par l'intermédiaire d'un directeur de cabinet mes demandes d'écoute, il dit, mais enfin, vous ne pouviez pas dire au président de la République que certaines écoutes demandées par M. Proutot n'étaient peut-être pas forcément opportunes. Et Mauroy a cette phrase extraordinaire, il lui dit, mais on voit que vous ne le connaissez pas. Monsieur le Premier ministre. Mauroy lui-même disait qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire à François Mitterrand. Il avait une autorité naturelle qui faisait que les gens étaient jamais à l'aise en face de lui, jamais. Le problème, c'est que avec François Mitterrand, il y a la majesté du personnage et il y a le caractère, si j'ose dire,
très révérencieux, pour ne pas dire soumis, des ministres ou des premiers ministres. Tout le monde pliait sur François Mitterrand. Moi, j'ai vu des hauts personnages de la République, hein, premier ministre, ministre, en face de François Mitterrand, quand même scotché devant lui. Oui, monsieur le président, ce que moi aussi je me surprenais à faire par moments, et je me disais, mais quel crétin, t'as encore été du genre, oui, monsieur le président, bien, monsieur le président. Le président est affecté par cette affaire. Le scandale l'atteint directement. François Mitterrand n'est pourtant pas homme à être désarçonné facilement. Quand la télévision belge l'interroge sur les écoutes, sa légendaire impassibilité cède la place à la colère. Il n'y a pas de service d'écoute à l'Élysée. Mm-hmm. Il ne peut pas y en avoir. Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs les écoutes. Mais il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Élysée, bien sûr pas. Mais les consentements sont encore un peu plus. Mais je n'ai pas l'intention, à vous, que rien n'autorise à cela, de répondre à vos questions. Pas été pour vous. Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Il faut toujours qu'il y ait une distance dans nos démocraties entre le politique et les services. Forcément. Quelles sont les missions des services? Ce n'est pas toujours des missions très faciles à accepter pour le gouvernement. Intégrer auprès du pouvoir sommital en France, c'était une erreur stratégique fondamentale. Le renseignement, c'est cochon. Et je pense que tous les gens qui se retrouvent à ma place et parlant du renseignement vous diront à peu près la même chose. C'est que s'il fallait trouver le renseignement d'une manière qui est simple et qui donc soit complètement conforme aux lois, ça se saurait. Faisant fi de l'organisation de l'État en matière de renseignement, François Mitterrand n'en a fait qu'à sa tête en créant la cellule de l'Élysée en 1982. Lui, qui avait fustigé les méthodes du général de Gaulle, s'y est tellement bien glissé qu'il a reconstitué le cabinet noir si sévèrement critiqué. Où chercher la clé de cette dérive chez un homme qui avait affiché une telle détestation du pouvoir personnel? Le problème du pouvoir, c'est qu'on ne peut pas gouverner si on ne sait pas. Alors, on peut trouver ça détestable. Par moments, je le trouve aussi détestable, mais c'est une nécessité. François Mitterrand est un Florentin. S'il dit blanc quand il pense noir, c'est que la vérité est grise. Il sait mieux que quiconque qu'une information politique, diplomatique ou militaire est complexe et que de multiples éclairages sont nécessaires pour l'appréhender. Les services constituent pour lui un accessoire utile. Une des manières de s'informer, il les met en concurrence, utilise les uns pour surveiller les autres. Son réseau d'amitié, tissé au fil de sa longue carrière, représente à ses yeux le meilleur système de renseignement. Il avait un faisceau de renseignements que je dirais extraordinaire, et avec ce que j'appelle des espaces non séquents. Les gens ignorait les relations qu'il avait avec d'autres. C'était un homme extrêmement secret qui aurait, à mon avis, fait un excellent chef de service de renseignement s'il avait fait une autre carrière. Je crois, du fait de la clandestinité, du fait de l'époque qu'il avait vécue, du fait de l'opposition, du fait du sentiment de se sentir espionné à tort ou à raison, je ne peux pas en juger, pendant des années, faisait qu'il se méfiait de tout et de tout le monde. François Mitterrand prétendait réformer, mais ne change rien. La tradition des petits secrets intimes apportés sur un plateau lui convient parfaitement. Juste pour savoir. Dès son arrivée au ministère de l'Intérieur, Pierre Jox constate l'existence de ces pratiques. Le préfet de police, le premier mercredi où je l'ai vu, me donne du bout des doigts un mince dossier. Il me dit ça, ce sont les notes traditionnelles, d'un air un peu comme ça. Et donc, le soir, après le dîner, je lisais des notes de police sur des questions de drogue, sur des questions de terrorisme. Et puis, j'arrive finalement à ce dossier du préfet de police qui m'avait donné d'un air. Et c'était une histoire, uniquement des histoires de cul, des histoires de mœurs, des histoires de...
Et il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 5 ou 6. Et des notes très brèves, du genre, il paraît que monsieur un tel couche avec madame un tel, ou monsieur un tel couche avec monsieur un tel, il y avait des trucs comme ça. Des ruptures, c'était une espèce des commondins. Bon. Et alors, le surlendemain, parce que je le voyais tous les deux jours, je dis, bon, écoutez, ce genre de truc, pourquoi vous me donnez ça? Elle me dit, c'est l'usage, monsieur le ministre, c'est l'usage. Je lui ai dit, écoutez, moi, je me passerai de cet usage. Alors, il m'a dit d'un air suave, oh, mais j'exécuterai ces instructions avec beaucoup de plaisir. Et il ne m'a plus jamais sorti. Alors, certains disent que Mitterrand en était friand. Mitterrand joue avec perfidie des faiblesses d'adversaires qu'il surclasse parfois par son intelligence, souvent par son inquiétante ambiguïté. Il n'est à l'aise ni avec le renseignement d'État, ni avec ceux qui le lui procurent, les services. La preuve en est apportée par une affaire qui va mettre sa présidence en péril. L'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. Il y a un mort parmi l'équipage. Le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La campagne de protestation a aussitôt été annulée. Dans la paisible Nouvelle-Zélande, cet événement est considérable. Les dépêches arrivent dans toutes les rédactions du monde. Quand on a vu ce message et qu'on l'a lu ensemble, on a dit ça, c'est la DGSE. Hein. Voilà. C'était, comme on dit en langage policier, c'était gros comme une maison. Hein. Déboule dans mon bureau, sans crier gare, le directeur central de la police judiciaire. Ouh là là, monsieur le ministre, regardez ça. Ça, c'est encore une connerie des services spéciaux. Si la suspicion est immédiate, c'est que la France est agacée par Greenpeace. Ces écologistes cherchent depuis des années à gêner les essais nucléaires qui se déroulent sur l'atoll de Mururoa. Ces essais sont la prérogative exclusive du chef de l'État. Les gêner, c'est s'en prendre à l'autorité de François Mitterrand. Il n'est pas question que cela se produise. Pour réaliser cette opération, la DGSE a déployé une trentaine de personnes sur le terrain. Un agent a infiltré l'organisation écologiste. Des nageurs de combat ont été chargés de poser les bombes sous la coque du bateau. Deux officiers français de la DGSE, les faux époux Tourange, en réalité le capitaine Dominique Prieur et le commandant Alain Maffard, ont fait la liaison entre ces équipes. Malgré ces moyens colossaux, c'est un fiasco. La DGSE a tué un homme et les faux époux Tourange sont arrêtés et interrogés par la police néo-zélandaise. Qui a choisi de conduire cette action inavouable, exemple parfait des dérives de la raison d'État? Le patron de la DGSE, l'amiral Lacoste, aurait-il agi de sa propre initiative? L'amiral Lacoste soutient qu'il en a parlé au président de la République et qu'il aurait donné son feu vert. Mais il en a donné son feu vert à quoi? Il a donné son feu vert à prendre toutes les mesures pour que la campagne de Greenpeace ne gêne pas les essais nucléaires à Mururoa. Si c'est ça la question, la réponse est probablement oui. Bon. Couler dans le port d'Auckland un bateau de Greenpeace, ça probablement non. Il n'y a pas de place pour le doute. François Mitterrand a approuvé une opération contre Greenpeace afin d'empêcher que les écologistes gênent les essais nucléaires. Mais qui a défini les modalités et organisé une opération aussi détonnante? Le ministre de la Défense, Charles Hernu, traverse à ce moment-là de graves problèmes mêlant alcoolisme et sentiment de toute-puissance. C'est lui qui donne le feu vert à cette opération aberrante, envoyée par le fond un vieux chalutier qui voulait gêner des essais nucléaires. Le 16 juillet, 6 jours après l'explosion, Charles Hernu et Pierre Joxe sont convoqués chez le Premier ministre Laurent Fabius. La discussion est brève. Fabius, j'espère que nous n'avons pas fait cette connerie. Je vous préviens, je ne couvrirai pas. Hernu dément toute participation. Il a menti au Premier ministre. Hein? Il a menti au Premier ministre. Moi, j'ai entendu. Donc, j'ai entendu mentir. Donc, je suis là quand il ment. Bon. Il dit quoi? Hein? Il dit au Premier ministre que ce sont les Anglais. Charles Hernu ne ment pas seulement au Premier ministre, il tient le même discours devant le président.
J'ai eu vraiment la scène la plus pénible de ma vie quand j'ai vu Charles Hernu dire que c'était probablement, on avait l'assurance que c'était un coup des Anglais monté contre nous et qui suait à grosses gouttes dans le bureau du président de la République. Transpiré. Dans cette affaire-là, mon ministre, qui était Charles Hernu, était parfaitement au courant, puisque c'est lui qui m'avait demandé de le faire. Il y avait une solution, c'était la solution classique dans les rapports entre services secrets. On peut contacter le service secret adverse et on peut dire, on a un pépin, on a fait une connerie, combien, qu'est-ce qu'on fait ? Charles Hernu a refusé cette solution possible. La presse enquête et révèle que les époux Thuringe sont deux officiers des services spéciaux. Mais la police néo-zélandaise se fourvoie en les accusant d'homicide. Le chaînon manquant, c'est l'équipe de trois nageurs de combat que personne n'a vu, qui s'est évanouie dans la nature et dont l'existence n'est même pas soupçonnée. Au sommet de l'État, personne n'est dupe. Le gouvernement se prend à espérer que le feuilleton de l'été en est à son dernier épisode. Pendant de nombreuses semaines, le président de la République lui-même était persuadé que ce que j'ai appelé, que l'on a rappelé tout à l'heure, la stratégie du mensonge, était pratiquement arrivé au succès. Si François Mitterrand a bien fait ce calcul, il est raté. Le 17 septembre, l'affaire bascule. Le Monde révèle l'existence d'une troisième équipe, celle qui a posé les bombes. Ces nageurs de combat ont quitté la Nouvelle-Zélande sans se faire prendre. Le mensonge d'État est avéré. La DGSE est l'organisatrice de toute l'opération. Charles Hernu, ministre de la Défense, a démissionné ce matin. L'amiral Lacoste, directeur des services secrets, est limogé. Bonsoir. Raison d'État. Le président de la République, François Mitterrand, a accepté la démission du ministre de la Défense, Charles Hernu, que celui-ci avait présenté au Premier ministre ce matin. Est-ce que le président de la République vous a renouvelé sa confiance ? Il a rendu public un texte tout à l'heure. Vous a-t-il réconforté ? Mais je ne suis pas... pas mauvais moral. Pour Charles Hernu, c'est la mort politique. Paul Quilès le remplace au ministère de la Défense. Charles Hernu m'a dit que je trouverais les dossiers en bon ordre. Mais ce qui était intéressant, c'est parce qu'il y avait dans les dossiers ce qui n'était pas. Et qu'il fallait retrouver, qu'on a retrouvé en 48 heures. Mais vraiment un travail de juge d'instruction. C'est-à-dire qu'on a interrogé les uns, les autres, dans une pièce, dans une autre, on les a fait se contredire. Et puis on est arrivé au bout de l'élucidation. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Mesdames et messieurs, la vérité sur cette affaire est cruelle. Mais il importe, comme je m'y suis engagé, qu'elle soit clairement et totalement établie. L'affaire Greenpeace est une catastrophe pour la DGSE. Sa réputation internationale est anéantie. Pour François Mitterrand, la confiance est définitivement rompue. Il assure à Jacques Attali, « Ce qui m'attriste, ce n'est pas l'ordre donné, mais c'est la tragique incompétence dont a témoigné son exécution. Mais il est vrai qu'avec la bêtise, on ne peut jamais savoir où l'on va. » Malgré l'affaire Greenpeace, après 2 ans de cohabitation, François Mitterrand est réélu. François Mitterrand choisit son ancien rival Michel Rocard comme Premier ministre. Celui-ci éprouve un grand intérêt pour les affaires de renseignement. Il juge médiocre la production des services et demande au président l'autorisation d'engager une réforme. Je voyais le président de la République 2 fois par semaine. Comme nous apprécions peu notre compagnie mutuelle, on allait vite. Et voilà qu'un jour, je dis au président de la République, « Monsieur le Président, je vais prendre le risque de sortir de mes plates-bandes, de pénétrer directement dans les vôtres.
Alors ça l'amuse, et du coup, il cesse de signer le parapheur qu'il était en train de signer, il me regarde, il pose son stylo, et il me dit, qu'est-ce qui vous arrive ? Et je lâche, monsieur le président de la République, je voudrais procéder à une réforme des services spéciaux. À ce seul mot, il me coupe, et me dit tout de suite cette phrase inouïe, « Ah, mon grand échec !» Alors il réfléchit, un peu furieux de me voir comme ça, ça doit durer une dizaine de minutes cette conversation. Puis à la fin, dans un grand sourire, il n'a pas repris son stylo, il n'a pas repris son parapheur, il me regarde et puis il me dit « Si ça vous amuse !» Jamais sans doute la réforme d'une si grande fonction de l'État n'a été confiée à un chef de gouvernement pour un tel motif. Si ça vous amuse. L'affaire Greenpeace a scellé la désunion entre François Mitterrand et la DGSE. Il n'en veut plus et la laisse tomber. Plus elle est loin de lui, et mieux il se porte. Pour un temps, toutefois, grâce à Michel Rocard, le renseignement devient une priorité de l'État. Seize mois après la réélection de François Mitterrand, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre. Cette étape clé du XXe siècle conduit à la disparition de structures militaires invisibles gérées par les services secrets. Durant la guerre froide, l'OTAN avait mis sur pied dans plusieurs pays une organisation clandestine, le réseau Stay Behind. Ce réseau dormant, soutenu par les États-Unis, devait être activé si l'Europe venait à être envahie par les pays du pacte de Varsovie. L'objectif pour nous était, en cas de malheur, en cas d'invasion, de pouvoir dire à un gouvernement français qui se serait réfugié aux États-Unis ou aux Antilles, vous avez la disposition, la possibilité de communiquer avec des Français en France, avec des personnels qui ont des postes radio, qui peuvent recevoir vos instructions, qui sont capables de faire des renseignements et qui, le cas échéant, sont également capables d'organiser de petites opérations de sabotage ou de destruction. C'était un réseau totalement dormant et clandestin. Et j'avais dans mon service deux personnels seulement qui étaient au courant de cette structure. En Italie, Stay Behind s'appelle Gladio. Le réseau a été dévoyé, il a dérivé vers le terrorisme d'extrême droite. Lorsque ces faits sont révélés, en novembre 1990, François Mitterrand s'inquiète immédiatement de l'éventuelle existence de la partie française de l'organisation. Il convoque Claude Silbertzahn, le directeur de la DGSE. Mon inter sonne et François Mitterrand est au bout. Venez me voir tout de suite. Comment vous ne m'avez jamais parlé de ça? Comment se fait-il? Qu'est-ce que c'est ça? Je débarque là-dedans, vous êtes embringué dans un système avec les Américains, avec les Anglais, sans que je l'ai jamais su. Le ministre non plus, d'ailleurs, ne se souvenait pas avoir été au courant, alors qu'il avait dans son armoire secrète un dossier de la DGSE à l'intérieur duquel il y avait un petit sous-dossier traitant de ce problème. Alors je dis, monsieur le président, moi, je ne savais pas que vous ne le saviez pas. Et je dis, moi je ne vous l'ai jamais dit parce que je ne peux pas savoir que depuis 81, où il y a eu 6 directeurs généraux qui m'ont précédé, qu'aucun ne vous a parlé de ça. Je suis arrivé à peu près à le calmer, mais je suis parti sans savoir si j'étais encore... Si je serai encore en poste le mercredi suivant quand même. Hein. Jean Heinrich, chef du service action et patron du Stay Behind français, est également convoqué chez François Mitterrand. Le président Mitterrand va prendre un coup de sang. Il ne m'a pas laissé parler. Il n'y avait pas. Il était de mauvaise humeur, je dirais, à tort, et a exigé qu'on mette fin à ce réseau. François Mitterrand a dissous cette organisation. La guerre froide a beau être terminée, la méfiance envers les services secrets demeure. C'est la fin de règne, les ombres rôdent sur les heures noires. La maladie gagne, la mort approche. Le début de la fin est ce funeste jour du 7 avril 1994. Dans son bureau de l'Élysée, où plus personne ne lui demandait rien, François de Grossourd s'est suicidé. À un visiteur, il avait dit, en parlant de François Mitterrand, « Cet homme n'aime personne, méfiez-vous-en. Il ne pense qu'à lui, il n'aime que lui. » De Grossourd, lui, n'aimait que Mitterrand.
Il est temps de solder les comptes. François Mitterrand, qui avait entretenu de si complexes relations avec l'univers du secret, soldera une partie de ses plus épais mystères. Sa jeunesse très adroite, Vichy, Pétain et Bousquet, sa deuxième famille, si soigneusement cachée aux Français. Sous sa présidence de 14 années, la plus longue de la Ve République, les coups d'éclat les plus brillants, comme l'affaire Farewell, ont coexisté avec les désastres, tels l'affaire Greenpeace ou les turpitudes de la cellule de l'Élysée. En mai 1995, il quitte le pouvoir et succombe en janvier 1996 au cancer qu'il avait caché tout au long de ses deux septennats. Davantage que tout autre, cet homme d'État fut un maître de l'ombre. Il en fit un principe de vie, tout en acceptant mal que les autres fassent de même. Quant au service secret, ce bras obscur de l'État, il s'en méfia toujours, non sans en user et abuser à sa guise. Une formule de son ami Pierre Bérégovoy s'applique sans doute à la manière dont il les a commandés. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est non. En revanche, quand il dit « faut voir », alors là on peut y aller, c'est oui.